Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet vraiment très important, c'est soyez exemplaire. Je m'explique. Un bébé, à la naissance, il a des neurones miroirs, c'est-à-dire que si vous lui tirez la langue pendant quelques minutes, eh bien, il va vous tirer la langue. Un enfant, il va apprendre à manger avec son couteau et sa fourchette parce qu'il vous regarde faire. Il va apprendre à marcher parce qu'il vous regarde. Il va apprendre à faire semblant de jouer avec son téléphone portable en plastique parce que vous jouez, vous utilisez votre téléphone portable, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un enfant, eh bien, il faut vous comporter devant lui comme ce que vous voulez qu'il soit lui plus tard. Si pour vous c'est important de ne pas dire de gros mots, vous ne voulez pas que votre enfant ne dise de gros mots, eh bien ne dites pas de gros mots devant lui, jamais. Si c'est important pour vous qu'il se tienne bien à table, eh bien tenez-vous bien à table devant lui tout le temps. Si pour vous c'est pas important de mettre un bonnet quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, eh bien vous n'en mettez pas, mais c'est pas grave puisqu'il n'en mettra pas et ce sera pas important pour vous. Par contre, soyez cohérent. Si pour vous c'est très important, je ne sais pas, d'enlever ses chaussures quand on rentre à la maison et de mettre ses chaussons pour pas se faire mal aux pieds, eh bien, si vous ne le faites pas, mais que vous exigez de lui qu'il le fasse, ben il va pas le faire. Donc c'est dans ce sens-là où je dis le mot soyez exemplaire. C'est pas soyez parfait, c'est soyez l'exemple que vous voulez que votre enfant soit. Donc si pour vous c'est important d'aérer sa chambre le matin, eh bien faites-le. Si pour vous c'est pas important, ben le faites pas, il va pas le faire, mais lui criez pas dessus s'il le fait pas. Soyez réaliste, vous ne pouvez demander à vos enfants que ce que vous faites en permanence devant lui au quotidien et pas que en société quand il y a du monde. Donc, dès qu'on a un enfant, il faut prendre tout de suite le pli, soyez exemplaire. Soyez l'exemple que vous voulez qu'il soit. C'est pas la même chose que soyez parfait, mais j'ai pas trouvé d'autre mot pour dire soyez l'exemple pour vos enfants. Tout simplement. Merci pour eux.